Toute la journée, et même quand je me réveille le matin, je pense à la boxe. Le vieil homme qui m'a enseigné la boxe m'a dit que les boxeurs sont ingrats. J'ai dit à l'entraîneur que je pouvais me battre. Il m'a dit ok. On lui a dit que mon garçon allait mourir le jour même s'il se battait. Vous savez, parfois, il faut de la clairvoyance. Mesdames et messieurs, le gagnant, Magno Planche. Vous savez, parfois, il faut de la clairvoyance. Vous devez voir que quelqu'un, que cet homme, si je l'entraîne, il sera bon à l'avenir. Tout le monde a de la volonté. Mais vous, en tant qu'entraîneur, vous devez être à leur tête. Toute la journée, et même quand je me réveille le matin, je pense à la boxe. La boxe, c'est la seule chose qui me permet de survivre. La ville d'Accra est le centre de la Bafa, nation de l'Afrique de l'Ouest. Dans ces quartiers se trouvent des jeunes qui rêvent de devenir champions du monde. Des entraîneurs de boxe, comme Coach Quay, œuvrent pour que ce rêve devienne réalité. Be free of yourself. Don't stand one place. Mon nom est Daniel Larte Coué Larte. Je suis né le 19 février 1965. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai commencé les combats. Plus tard, mon frère a vu que j'aimais les combats et il m'a emmené là où il nous entraîne. Je me rappelle de la première personne avec qui je me suis battu. Il s'appelait Eric Boone. J'ai vu qu'il faisait beaucoup de gestes techniques parce que c'était un boxeur professionnel. Il m'a donné une leçon, mais rentré chez moi, je n'arrivais pas à dormir. J'ai vu que je pouvais le battre. Daniel Larte Coué Larte, affectueusement appelé Coach Coué, a commencé comme boxeur, mais c'est par hasard qu'il est devenu un entraîneur reconnu. Quelqu'un a remarqué qu'il était meilleur entraîneur que boxeur. L'entraîneur a vu que je pouvais former les gens. Je ne sais pas comment il a vu ça. L'entraîneur m'a poussé à devenir un coach. À l'époque, j'étais un danseur de disco et je ne pensais pas uniquement à la boxe. J'étais boxeur, judoka et danseur en même temps. Donc je ne me consacrais pas sur une seule chose. Daniel Larte Coué compte beaucoup de ses boxeurs dans l'équipe nationale. Il travaille très dur. Son club, c'est le Fit Place Boxing Club. On a donc toujours travaillé ensemble. Et je peux dire que c'est un bon entraîneur. Oui, la boxe est importante au Ghana. Vous savez, en Afrique, nous, le Ghana, on va aux Jeux Olympiques et on a eu 3 médailles olympiques en boxe. Quand j'allume la télé et qu'ils montrent de la boxe, j'aime bien regarder. Je dirais que c'est la façon dont certains ont de se battre avec passion. En Afrique, potentiellement, nous avons de très bons boxeurs. Pas dans tous les pays, je vous l'accorde. Mais potentiellement, dans un pays comme le Ghana, nous aidons cette commission de boxe en Afrique pour avoir des titres africains. La boxe a changé, vous savez. Ce n'est plus la même boxe qu'il y a 30 ans.
Partout sur le continent, la boxe est populaire. Des boxeurs africains se sont hissés au niveau mondial et ont obtenu des titres internationaux. Le Ghana est jusqu'à présent le centre qui fournit les champions du continent. Le Nigeria était en avance sur nous à un moment parce qu'ils ont produit des champions du monde comme Hogan Kitbassi, puis Dick Tiger. Avant qu'on ait notre premier champion du monde, la personne de David Clotet, TK Poison. Mais après, on les a dépassés de loin. On a eu le grand Azuma Nelson, on a eu Ike Bazooka Kote, on a eu Alfred Cobra Kote et Joshua Clotty. Donc on a eu plusieurs champions du monde et je pense qu'aucun autre pays africain ne peut rivaliser. C'est quelque chose que les Ghanéens pratiquent depuis des années, avant même qu'on ne devienne un pays indépendant. Notre premier dirigeant, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, était un grand fan de sport. Il a décidé d'utiliser le sport, notamment le football et la boxe, pour atteindre de nombreux objectifs politiques. Donc, les politiques que nous avions à l'époque en matière d'éducation ont permis à de nombreux jeunes de se mettre à la boxe. C'est pénible de voir qu'un pays qui a produit tant de champions, regardez notre taille, ne dispose pas encore d'un gymnase ou d'un centre omnisport auquel on peut faire référence comme quelque chose qui va produire les meilleurs boxeurs ghanéens. Je m'appelle Bismaksa, j'ai 13 ans. Je vais être boxeur parce que je vais être le meilleur boxeur du monde. La raison pour laquelle je vais être un boxeur, c'est que je veux devenir une superstar. Sa passion n'a d'égal que son unicité. Même sans rémunération, il se consacre toujours à ses jeunes boxeurs. Coach Kwe cultive le talent à un âge précoce. Il entraîne ses combattants dès l'âge de 6 ans. De cette façon, quand ils auront atteint le niveau pour faire de la compétition, ils seront des combattants aguerris. Et en fait, je n'entraîne pas les adultes. J'entraîne les jeunes entre 6 et 8 ans. Je sais comment m'y prendre avec eux. Même si ces enfants vont à l'école, la boxe a une très bonne image au sein de la société. Ce sont les parents qui emmènent leurs enfants auprès de Coach Kwe. Au Ghana, la boxe est considérée comme un moyen d'échapper à la pauvreté. Quand il a commencé avec les jeunes à un stade très précoce, il les entraînait. Il allait les chercher tous les jours, les emmenait à l'école, allait les récupérer après les cours et les ramener chez eux pour que leur mère ne s'inquiète pas. Il a commencé à les former petit à petit. À chaque fois qu'il y avait un combat ici dans ce stade, il y amenait les enfants. Sur le ring là-bas, à chaque fois qu'il y avait un match international, il emmenait les enfants. Il faisait des combats en levée de rideau. C'est dans ces conditions rudimentaires que Coach Kwe fabrique des champions. C'est le Ghana, un endroit appelé Kokon Lemle. C'est là où je les entraîne. J'ai quelques paires de gants. Ça ne suffit pas, mais voilà comment je me débrouille. Là, il y a les vieux et ici, les neufs que j'utilise. J'en ai des rouges et des noirs. Voici ce qu'on utilise. Ici, j'ai un sac de boxe. C'est ce qu'on utilise. C'est fabriqué par Title. J'ai ceci qui est fabriqué localement. On appelle ça un coussin de guerre. C'est ce qu'on utilise et c'est avec quoi on produit des champions. Je pense que chaque année, je peux produire au moins 3 ou 4 membres de l'équipe nationale. Quelques gants, un sac de boxe et des coussins de guerre
On pourrait se demander si cela suffit pour faire un champion et si cet équipement peut retenir un boxeur ambitieux. L'entraînement ne consiste pas à avoir un grand nombre de gens, mais quand vous avez deux ou trois personnes qui sont les meilleures, vous pouvez améliorer les choses. Cela dépend de l'enseignement. J'essaie de leur donner le meilleur. La passion de cet entraîneur est admirable, mais comme il n'y a pas d'accord entre lui et les parents des enfants qu'il forme, quand ces boxeurs connaissent la gloire et la fortune dans leur carrière, son travail acharné est oublié. Dans sa carrière, Coach Kwe a formé des grands noms comme le champion 2013 des poids welter de l'IBF, Frédéric Lawson, et le champion des poids coq de l'IBF, Joseph Agbeko. Pas un sou. Personne n'est venu un jour pour me dire « Prenez ça, c'est pour ce que vous avez fait pour moi. » Ils vous oublient. Joseph Agbeko, c'est moi qui l'ai découvert. Tout d'un coup, Agbeko est devenu une star. Quand il est devenu une star, il est venu nous voir une fois. Depuis lors, on a appris qu'Agbeko est devenu une star et je ne l'ai pas revu. Il ne m'a même pas rapporté 1000 cédis. Cela ne me dérange pas du tout parce que ce n'est pas tout le monde qui apprécie votre aide. D'autres gens comme Freddy, qui est devenu une star maintenant, diront qu'ils ne me connaissent pas. Mais s'il se tenait en face de moi en ce moment, il dirait qu'il ne me connaît pas. Mais moi, je dirais à sa mère qu'il a la mémoire courte. Je me souviens du premier boxeur avec qui j'ai commencé, Michael Arrier. C'était un très bon boxeur. Malheureusement, quelqu'un l'a emmené au Togo alors qu'il était amateur. Il a fait des combats professionnels et ça a brisé sa carrière. Prenez une échelle, vous la montez de bas en haut, mais vous la descendez de la même manière. C'est ainsi pour certains garçons. Je l'ai vécu moi-même et beaucoup de gens me l'ont dit. Le vieil homme qui m'a enseigné la boxe m'a dit que les boxeurs sont ingrats. Vous les entraînez, puis un jour, ils s'éloignent de vous. C'est ainsi que les choses se passent, même maintenant. En dépit du rôle que Coach Kwe a joué pour les aider à réussir, les boxeurs s'éloignent de lui. La question est alors de savoir si Coach Kwe est un fabricant de champions ou tout simplement un découvreur de talents. Malgré les déceptions du passé, Coach Kwe est la plus grande étoile montante de sa carrière. Il s'agit d'un boxeur de 24 ans, Manio Plange. Je m'appelle Jesse Mario Plange et je suis boxeur. Un jour, il y avait un combat au complexe sportif de Kanishi entre Agnete Larrea et Alfred Tété. J'y suis allé et j'ai regardé le combat. Et en regardant le combat, j'ai vu un lever de rideau avec de la boxe juvénile où les enfants se battaient. Et j'ai dit à l'entraîneur que je pouvais me battre. L'entraîneur m'a dit « Ok ». Et il m'a dit que je devais aller à l'entraînement pour voir si je pouvais me battre. Donc j'ai commencé l'entraînement et l'entraîneur a vu que je pouvais me battre et que je pouvais être un bon boxeur. Coach Kwe entraîne Manio Plange depuis que celui-ci a l'âge de 8 ans. 16 ans plus tard, c'est maintenant une étoile montante de la boxe au Ghana et dans le monde. Des liens très forts qui vont au-delà du sport unissent les deux hommes. Manio est venu. Ils étaient 6 à venir pour apprendre la boxe. Ils disaient qu'ils étaient footballeurs. Je ne sais pas à quoi ils pensaient. Normalement, quand on était à Kokomlemle, le samedi ou le dimanche, j'organisais des combats de boxe juvénile sur le bord de la route pour découvrir des talents. C'était ouvert à n'importe qui. Si vous disiez que vous vouliez vous battre, je vous faisais combattre. J'étais là et ces enfants disaient qu'ils voulaient se battre et je les ai fait combattre. Ils se sont battus avec mon garçon qui était alors en équipe nationale. Et je connais Coach Kwe depuis longtemps et j'aime vraiment Coach Kwe. Il est un bon entraîneur et parfois il vous dit directement de faire ci et de faire ça. Quand vous êtes fatigué, il est derrière vous.
Et quand vous vous entraînez, il vous encourage. Je pense que c'est le meilleur entraîneur pour former les jeunes et les futurs boxeurs. Sous la férule de Coach Quay, Magno est bien parti pour devenir l'un des plus grands du Ghana. Avec 2 médailles d'or d'Afrique, ainsi qu'une participation aux Jeux Olympiques et 2 aux Championnats du Monde, il a déjà parcouru un long chemin. Je m'appelle Philippe Plange. Je suis entraîneur dans ce club, le Kaneshi Lawn Tennis Club. Magno est mon neveu. C'est ici que j'entraîne beaucoup. Ici, j'ai une académie composée de jeunes garçons et de jeunes filles. Made up of young girls and boys alike. Une autre raison importante pour laquelle Magno joue au tennis, c'est que la plupart des boxeurs réalisent que quand ils finissent leur carrière dans la boxe, ils deviennent un problème pour la société. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour Magno, jouer au tennis, cela l'aide à rester sain d'esprit. Il devient calme parce que quand il vient sur le court, c'est pour jouer avec d'autres personnes. Il socialise et leur dit « Je vais vous battre, allons jouer au tennis ». Ça lui procure du plaisir. Ça l'aide à décompresser après tout ce qu'il a connu sur le ring de boxe. Ça préserve son équilibre mental. Le quartier de Boukom, à Accra, est célèbre pour donner les meilleurs boxeurs du Ghana. C'est d'ici que viennent 80% des talents de la boxe du pays. C'est aussi le lieu où les boxeurs vont pour se faire un nom. Si vous réussissez à Boukom, cela veut dire que vous pouvez réussir partout ailleurs. Nous sommes donc allés sur la place de Boukom pour faire des combats. Ce jour-là, j'ai amené Magno, Freddy Clawson et beaucoup d'autres. On faisait des combats et Boukom Bankou a emmené son meilleur boxeur juvénile. Il voulait que ce garçon se batte contre l'un des miens. J'ai vu son âge et sa taille. Magno était trop petit pour se mesurer à lui. Donc j'ai choisi Frédéric Lawson, celui qui est maintenant champion de l'IBF, pour se battre contre ce garçon. Et ils étaient d'accord pour se battre. Mais quand ils ont amené le garçon, ils ont utilisé des herbes traditionnelles qu'utilisaient les rois et les reines. Ils les ont mises autour de leur cou. Ils en ont mis un peu sur la bouche du garçon et ils chantaient des chants guerriers. Ils ont ajouté un peu de poudre et l'un d'eux a dit que mon garçon allait mourir le jour même s'il se battait. Véridique. En voyant ça, mon garçon a perdu toute volonté. Il est devenu gravement malade. Ils ont dit, Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Freddy? Non, il ne peut pas se battre. Il est malade. Je l'ai touché, sa température était élevée. J'étais troublé. Plus tard, Magno est venu et m'a dit, Frère Okwe, je peux battre ce garçon. Je crois que je peux le battre. Je ne crains aucun combat. Donc j'ai dit, si Magno dit qu'il peut le battre, allons le préparer. Peu m'importe ce qu'il adviendra, ils ont mis Magno et le gars sur le ring. Depuis ce jour, j'ai entièrement confiance en Magno. Il a surpris tout le monde. Les jeunes garçons, même les gens autour de lui avaient peur. Magno a frappé le garçon jusqu'à ce que ce dernier ne puisse plus lever les mains. Plus tard, Freddy, qui était malade, a repris ses esprits et il a dit qu'il allait maintenant se battre. Je lui ai dit, tu as déjà perdu. Je lui dis toujours que je sais qu'il est vraiment, malgré ce titre de champion de l'IBF, et que maintenant, c'est au tour de Magno. Je sais ce qu'il a dans le ventre. Il faut de la discipline pour être un bon boxeur. Pour Magno, c'est une leçon qu'il apprend auprès de son entraîneur et qu'il met en pratique dans sa vie, même en dehors du ring. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici. Je reste ici. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de fans ici.
Beaucoup de gens aiment être avec moi parce que je suis libre. Je ris beaucoup, je discute, je blague pour me faire davantage d'amis. Parce que quand vous êtes boxeur, vous ne devez pas vous battre en dehors du ring. Donc comme je veux me battre avec personne, je fais des plaisanteries et ce genre de choses. C'est pour avoir des fans et des amis. Oui, c'est chez moi et vous pouvez voir ma bannière. Ça, c'est DJ Maple, en train de faire les haut-parleurs. Et voici mon singe, c'est mon pote. Et voici ma chambre. Je regarde de la boxe. C'est Manny Pacquiao et McLean. Je regarde les combats de boxe. Ce sont les prix que j'ai gagnés. Le SWAC Award, le prix du meilleur boxeur amateur de l'année, et aussi celui du meilleur boxeur du tournoi, ma coupe. Et j'ai aussi des médailles. Ce sont mes médailles. C'est une médaille d'or de l'île Maurice. Et celle-ci vient d'Australie. Voici la coupe du meilleur boxeur qui m'a été remise sur l'île Maurice. Et ici, j'ai un ours en peluche qui porte des gants. Le don de Magno n'est pas passé inaperçu parmi les découvreurs de talents, les promoteurs et les managers. Ceci pourrait lui offrir de meilleurs équipements et conditions d'entraînement ainsi qu'un style de vie somptueux. Beaucoup de gens m'ont approché pour me dire d'aller à leur salle de gym pour m'entraîner. Mais je ne veux être dans aucune autre salle de gym que celle du coach Kwe. Même si le matériel n'y est pas suffisant, je pense que c'est le meilleur endroit pour vous entraîner afin de devenir un champion. Je vois coach Kwe comme quelqu'un qui a entraîné beaucoup de champions. Le soutien de sa famille et de ses amis aide Magno à garder la tête sur les épaules. Il évite ainsi que le succès ne lui monte trop à la tête. Voici mon grand-père. Il s'appelle Frédéric Tawa Bart Planche. Et voici mon père. Jonathan Peter Planche. L'entraîneur est comme quelqu'un de la famille. Il a pris mon fils comme son propre fils. Et il entraîne très bien. Je préfère que sa formation l'aide à l'avenir. Peut-être qu'à l'âge de 40 ans, il pourra arrêter et faire autre chose. Je m'appelle Ernest et Magno est un ami. Il écoute son entraîneur et il a des moments merveilleux. Comme quand il se rend compte qu'il est temps pour lui de vous mettre à terre. Il n'hésite pas. Il va à la recherche du chaos et le fait. Il fait de la boxe. Après la boxe, il y a autre chose dans la vie. Vous ne pouvez pas faire de la boxe encore et encore. Je crois qu'il joue aussi au football. Il joue également au tennis. Il est sérieux sur le ring et il est sérieux en dehors du ring. Il y a des femmes qui tournent autour de lui et qui veulent en profiter. Mais je lui dis, fais attention, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Et croyez-moi, il se tient à carreau, il suit nos conseils et je dirais qu'il préfère manger et dormir que d'aller courir les jupons. Vous voyez, c'est un boxeur fantastique. L'argent que je vais gagner avec ce sport, je dois l'économiser. Et j'ai aussi beaucoup de gens qui me conseillent sur ma vie sociale. J'ai aussi appris les télécommunications quand j'étais à l'école. Donc je connais les ordinateurs, le matériel et les logiciels. Il y a des gens qui me conseillent sur la façon d'économiser de l'argent et d'arriver à un stade où je pourrais construire une maison, acquérir une voiture et tout le reste. Il y a donc des gens qui me conseillent beaucoup et j'apprécie cela.
Coach Kwe bénéficie des retombées de ses jours de gloire. Son travail acharné est parfois récompensé. J'ai gagné ce prix, meilleur entraîneur de l'année. Je l'ai gagné 3 fois. Et celui-ci aussi. Et il y a des dates écrites dessus, si je me souviens bien. Il y a des choses dessus. Là, je crois que ça a été enlevé. Tous avaient les dates écrites dessus. Par la grâce de Dieu, vous savez, je fais de mon mieux pour mon pays. Ce que je peux dire, c'est que je veux que les gens me viennent en aide, qu'ils m'aident. Je veux faire de grandes choses en boxe. Sans eux, je ne peux pas le faire seul. J'essaie de faire de mon mieux. Je persévère et je regarde en avant pour voir ce que l'avenir me réserve. Vous savez, je dis toujours que je veux entraîner quelqu'un pour le mondial de la WBC. Voilà mon souhait. Voilà quelque chose que je ferai avant ma mort. Je ne veux pas simplement être un entraîneur. Je veux laisser des traces. Malgré tout ce qu'il a traversé, Coach Kwe tient à son rêve d'entraîner un boxeur qui deviendra champion du monde et lui offrira une place de choix dans l'arène mondiale. Ce serait une chance de pouvoir enfin profiter du succès et d'avoir une meilleure vie. Mesdames et messieurs, le gagnant, Magnoplanche.